Bon, salut à toutes et salut à tous, c'est Darks. Alors, donc, on se retrouve pour la suite et sûrement la fin de mon walkthrough sur Halo 4. Donc, on se retrouve exactement là où je vous avais laissé à la précédente vidéo, à savoir dans le vaisseau du Didacte. Nous avons réussi à nous infiltrer de justesse dans son vaisseau. Et donc, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, c'est simple. Comme vous pouvez le voir en haut à droite de mon écran, j'ai sur moi, on va dire, une ogive nucléaire à ma ceinture. Excusez-moi. Ma ceinture, j'ai l'ogive nucléaire. Ogive nucléaire qui va donc me permettre de détruire le vaisseau du Didact. Je pense que ça va servir à détruire le vaisseau du Didact. Je n'en sais rien. Je découvre le jeu en même temps que vous, au fur et à mesure. C'est un walkthrough, je vous le rappelle. Donc, on découvre ça ensemble au même moment. Les surprises, on les découvrira ensemble. Les fails, on les fera ensemble, comme d'habitude. Comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, une de mes pires, si je puis dire. J'ai vraiment hésité un moment avant de la poster, mais comme je me suis dit, c'est un walkthrough. Donc un walkthrough, le but c'est de vous montrer entièrement le jeu de A à Z et de pas tricher sur ce qui ne me plaît pas et ce qui me plaît. Je mets tout ça ensemble et j'y poste. Voilà, donc on en est là, on est à bord du vaisseau du Didact. On vient juste d'arriver, c'est le dernier niveau à mon avis de cet Halo 4, de cet excellent Halo 4. J'ai envie de dire, hein, je pense que je lisais ça et là que ce jeu allait être trop court, il est trop comment dire, trop basé sur trop linéaire. Non, il n'en est rien. Ce jeu est tout simplement magnifique. J'ai été bluffé maintes et maintes fois par ce que j'ai pu découvrir. Et donc, eh bien, on va continuer l'aventure ensemble. Là, je suis devant mon PC, je vais me décaler, je vais me mettre sur mon canapé. Et on va continuer ça ensemble. On va poursuivre et terminer. J'espère vraiment terminer ce soir le jeu. J'espère ne pas mettre 2 heures, mais même si au cas où je mettrais 2 heures, tant pis, je mettrai 2 heures. Ou alors je couperai la vidéo en deux, mais là je ferai d'une traite. Je vais pas m'arrêter au bout de 30 minutes et reposter encore, repousser la fin du jeu. Là, il est temps de le terminer. Et voilà. Par contre, seulement si le jeu sera, si le combat face au didacte, parce que je pense qu'il y aura un combat face au didacte, je l'espère. Si le combat face au didacte a lieu, on va dire, admettons, 1 heure et demie après le début de cette vidéo, je couperai le combat du didacte, je séparerai le combat du didacte de cette vidéo, et ça me fera en fait, la phase finale de ce walkthrough sera la vidéo face au didacte. Je sais pas si mauvais, vous m'avez compris, mais bon voilà, on en est là. Donc, je change de place directement, je vais me mettre face à mon écran. Et nous allons continuer et terminer ce jeu. Allez, c'est parti les gars, on y va. Donc j'ai le son du jeu qui est vraiment au minimum pour éviter que ça interfère avec le son de mon casque. Parce que d'habitude on entend toujours le son du jeu dans mon casque et c'est vraiment désagréable. Donc j'ai le son au minimum. Allez, allons-y. Allez, on a déjà un ami. Le didacte nous scanne pour savoir où on est, sûrement. Allez, hop, on se charge des tourelles. Tourelles laser, je ne sais pas comment ça s'appelle, cet appareil-là, que j'ai eu du premier coup. Hop là, j'ai envie d'aller là-haut, pour observer ce qui se passe au fond. Qu'avons-nous alors? Je ne vois rien de bien dangereux pour le moment. En tout cas, je vois. Alors, cette arme, j'ai horreur de cette arme. Je change. Même si ça me donne une arme. Quoique, à la limite, j'ai envie de dire 288, 584. Non. Oula. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Non, on prend ça là. Allez hop, meurs.
Allez. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Continuons. Ah, il y en a une autre là-bas. Hop, elle charge. Je skive. Ah, elle n'a pas mordu à l'hameçon. Tant pis. Oh là là, mais il y a du monde là. C'est bon, allez, je l'ai eu. Donc j'espère ne pas faire de fail, hein, comme d'habitude. Comme ma dernière vidéo qui m'a vraiment choqué. J'ai même été choqué, j'allais vous dire, le mot je le dis, j'ai été choqué par la dernière prestation au sein du Bot Wolf's World. Pardonnez mon anglais, mais il en est ainsi. Allez, avançons, on va pas rester une heure. Donc je suis en légendaire comme d'habitude, hein. Pas de chichi entre nous. Le jeu est en légendaire. Et je dois reconnaître que d'ailleurs le jeu en légendaire, bah, c'est pas bien difficile quoi, hein. C'est pas non plus une difficulté extrêmement poussée. Alors, des armes j'en vois pas tant, ça me fait un peu peur, j'ai envie de dire. Donc hop, j'ai récupéré des mumus. Allez, hop, et on va se le faire. L'environnement est étrange, j'ai envie de dire, c'est bizarre. Non, on est dans le rouge, hein, dans le rouge vif. Une contrôle. Pour l'instant, tout est calme, on n'a pas vraiment d'une grande résistance en face de nous. À mon avis, ça va pas tarder à changer. Et ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'on a comme arme ici? Ah, voilà. Ça m'intéresse. Je suis un crack avec cette arme. Ne vous arrêtez pas. Peut-être que la force, elle, vous ralentira. Ok. Ennemi à la chaîne, les gars. Ennemi à la chaîne. Ennemi à la chaîne. Allez, je vais essayer de me concentrer pour pas me mourir trop longtemps. Enfin, trop longtemps. Oula. Je l'ai pas vu, lui. Je l'ai pas vu. Le chevalier. Le problème, c'est que eux, ils nous rushent. Et quand ils nous rushent, c'est quasiment trop tard. Hein. C'est la fin. On peut pas bien... Ah, c'est des lâches, ils se barrent. C'est des salauds. Alors, voilà, on l'a eu. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Fusil à pompe. Je garde le fusil à pompe. La proximité peut me sauver la vie face à ces fous furieux. Alors. Toi, tu es d'ail. Ouais, là ça sent vraiment la fin, the end. Alors tout de suite après cette fin de... Putain, c'est moi où elle a rebondi? Oulala. Ah écoute, toi... Oh là là, non, au même moment on s'est tapé dessus. Dégoûté quoi. Dégoûté. Oh, en plus je me retape plus là. Ah non, ça c'est injuste. Ça c'est injuste, les gars. Mais comment ça se fait qu'ils m'ont refilé toutes ces armes toutes pourries? Allez, le temps que ça me recharge le bouclier. C'est bon. L'arme est là. Non, c'est ça là que je veux. Allez, on va se le faire. On va éviter de faire le con. On va éviter de faire le cacou. Comme je l'ai fait précédemment face à notre ami.
dernière munition, dernière mumu, quoi. Alors, eux... Ouh, allez, vite. Rechargeons. On va chercher Emu. Alors, qu'est-ce qu'il en sera de mon prochain programme au niveau des vidéos? Une fois que j'aurai terminé celle-ci. Bon, donc, il me reste... Assassin's Creed, que j'ai envie de terminer aussi. Je vais attaquer, je vais le terminer. Là, donc Assassin's Creed. Après, qu'est-ce que j'ai encore? J'avais entamé. J'étais bien tenté à un moment. Aujourd'hui, je cogitais, je me disais, est-ce que je serais tenté de refaire Splinter Cell double agent? Mais j'en sais de rien, en fait. J'en sais de rien. Je sais pas si c'est vraiment intéressant de revoir un jeu aussi ancien, quoi. Parce que je suis un grand fan aussi des Splinter Cell, hein, ça. Splinter Cell, moi, c'est mon dada, quoi. Je les ai fait et refait. Hein. Oh, zut. Non, tu ne le rechargeras pas, mon gars. Voilà, ça c'est bon. Alright. J'ai plus de munitions au niveau de ma carabine. Je vais appeler ça ma carabine prométhéenne. Donc je vais essayer de voir si je trouve des munitions. Ça n'a pas l'air bien. Ça n'a pas l'air. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Donc je vais retourner en arrière pour prendre des munitions. Voilà. Même si j'en ai pris que 12. Nul, nul, nul. Allez, continuons. Continuons, les gars. Donc, comme je le disais, hein, si cette vidéo dépasse vraiment trop longtemps, si je combats face au didacte, on va dire une heure et demie après le début de la... Une heure, j'ai envie de dire. Une heure après le début de la vidéo, je coupe juste avant le... Je couperai, je ferai un montage juste après la... Après l'heure... Enfin, juste avant d'entamer le combat, quoi, voilà. Et je mettrai la vidéo face au didacte en dernière position. Ça ferait que ça me fera sûrement une vidéo, allez, on va dire... une vidéo, quoi, de... Au pire, 20 minutes, quoi, face au didacte. Histoire que ça soit une belle cerise sur le gâteau. Pas que le combat du didacte face au didacte ne tombe qu'une heure et demie après la vidéo, quoi. Ce que je veux dire, s'il y en a qui aiment pas suivre des vidéos d'une heure et demie, je peux comprendre parfaitement, hein. C'est pas un souci. Donc voilà, voilà, wali walou. Donc à savoir aussi que là on est donc le... On est... Quel jour on est? On est dimanche 31 mars. Cette vidéo je la posterai sûrement demain, donc lundi. Lundi 1er avril, ce sera une vidéo du 1er avril. Ça ne sera pas une blague. Et qu'après il y aura sûrement un trou, on va dire d'une semaine au moins, dans... mes vidéos, sachant que j'ai un déménagement qui est prévu. Je vais déménager, donc le temps de transférer, de bouger tout le matériel et tout. On va prévoir une semaine, quoi, de trous. Une semaine de trous, ouais. Dans les vidéos. Donc, vous êtes au courant maintenant de ce qu'il en est. Voilà, voilà. J'ai plus de vidéos. J'ai plus de mission. Je suis dans le caca. Je suis dans le caca, les gars. Est-ce que ça va toucher? Chaud là, chaud. Désolé si je parle pas trop. Je vous propose d'emprunter la carte sur votre gauche. Non, non, non. C'est bon. J'ai 13 mumu. Voilà. Il est die. Qu'est-ce que j'ai vu là? J'ai vu... Ah ok, cool. Voilà. La tourelle, je lui lance. Voilà. Ouf. Désolé du trou, les gars, j'étais concentré.
Donc, comme d'habitude, hein, je le mets à chaque fois que je poste une vidéo, je mets des annotations. Mais alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, quoi, si vous aimez, ce que vous en pensez. Voilà, c'est ultra important, quoi, de savoir ce que les gens pensent de mes vidéos, quoi. Je fais pas des vidéos pour que ce soit suivi par, allez, par 10 personnes, quoi. Hein. J'aime bien savoir ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas. Je prends tous les commentaires. Tous les commentaires sont bons à prendre. Il n'y a aucun souci là-dessus, je ne fais pas de censure. Voilà. Alors là, je vois qu'on a un ascenseur. Qu'est-ce que cela nous réserve? Je vous le promets. On va voir. Je me débrouille encore pas trop mal. J'ai détecté une signature d'énergie. C'est un système de transit, comme sur Requiem. Trouvez un moyen d'y entrer. Ok. Je pensais qu'il y avait à avoir une cinématique. Ouais, ce n'est pas du tout un ascenseur. Hein. Je suis tombé comme une merde dans un trou. Alors, continuons. On en est rendu à combien? Je crois une, de là, je vois un quart d'heure. J'en suis pas sûr. Je vois un quart d'heure. C'est tout bon. Ah, des mumus. Je n'ai pas vu de bornes. Donc, j'en ai loupé des bornes. Ça, c'est clair et net. J'en suis conscient. Excusez-moi. Ouh là là, ouh là là. Oh, il y a du niveau là. Insérez-moi dans le système. Qu'est-ce qu'on a qui nous entoure là? Ouais, à mon avis là. Ouh là là, regardez ça. Là, je peux déjà faire le ménage hein, d'ici. Hein. Et je vais pas me priver, les gars. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Avons-nous d'autres clients? Ah, on a des espèces de chiens qui sont arrivés. Voilà. Lui, c'est bon. Ouais, on va dire que c'est bon. Allez. C'est parti. Fais ton boulot, Cortana. Une coéquipière est venue. Le didacte sait que nous sommes dans le système. Allez-y! Ah ok, donc il va falloir que je fasse encore un saut. Et ben c'est parti. Oulala, ou que je vise mal. Pas de mumu, rien. Non, derrière. Que dalle. Tant pis pour moi. Qu'est-ce qu'on a là? Oulala. Oulala. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pot de colle. Donc voilà, hop. Équipière dysfonctionnelle, humain. Et pourtant, elle arrive à m'éviter. Ouais, elle est un petit peu malade en ce moment. Elle a la grippe. Désolé, elle a la grippe. Moi, j'espère que vous sentez pas, mais vous entendez pas ma respiration pendant que je joue. J'en suis désolé si c'est le cas. Bon, y a rien derrière. Hop. Pas mal hein, les décors, regardez ça. Oh là là, je tirais sur les sentinelles alors qu'il y a même pas lieu d'y aller. Oh là là. J'ouvre un autre portail. Zut, flûte, cacaboudin. Donc apparemment on va se taper une série de portails, si j'ai bien compris. Toujours pas de munitions en vue, si, ici. Voilà, ça c'est cool. Les munitions, il y en a, il y en a. Je vais me faire mes potes là, parce que je sens que j'aurai des ennuis. Pas trop envie de les combattre. Mais c'est pas grave, s'ils veulent que je les combatte, je les combattrai. Ce n'est pas un problème. Tiens, moi aussi je suis capable. Ah oh, zut flûte. J'ai trop été gourmand. Trop été gourmand sur le truc là. Comme vous avez pu le voir, j'ai ma.
Ah ouais. Cortana est vraiment... est vraiment sur une pente descendante, on va dire. C'est vraiment la merde pour elle. C'est tant pis. Toi, t'as raison, ne bouge pas. Hop, munitions. Mumu. Alors là, pour l'instant, tout va bien. Putain, y a rien qui leur fait de leur tirer dessus. Chaud, hein. Chaud, hein. Désolé si je parle pas, mais... Putain, mais... Commence à me saouler, toi, là. Je suis dans quelqu'un, là. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je me fais tirer par en haut depuis tout à l'heure. Je l'ai pas vu. Autant pour moi. Saoulant, là. Saoulant de me faire avoir comme un bleu. J'ouvre un autre portail. Allez, ça sont des ennemis qui prennent en moyenne donc on va dire 3 coups de fusil à pompe dans la tête. 3 coups de fusil à pompe pour mourir. J'ai l'impression que c'est un poil abusé. Je vais essayer de m'en faire un comme ça de loin. Putain mais c'est dingue, oh, je lui ai donné un coup aussi. Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Portail. Bon allez, concentration, même si j'y mets du temps, je vais pas commencer à faire des fails. En fait, ce qui me fait faire des fails, c'est le fait de vouloir aller trop vite. Oui, c'était quoi, c'est complètement... À chaque fois que j'enlève leur bouclier, j'ai plus de munitions. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont... Voilà, allez. Un de moins les gars. Là, on est bon. On est bon. Toi, à ton tour. Ils sont sur un paquet. Wow. Ouais, c'est vraiment là, c'est à la chaîne. Oh non, voilà ce que je vous disais. Comment voulez-vous esquiver une telle attaque, quoi? C'est pas possible, y a pas moyen, je ne peux pas. Oh putain, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ouais, là, ouvre-le seulement le portail, mais je suis pas encore sorti de ton portail, là. Ah oh là 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 là, mais c'est pas incroyable. Il est où son portable? Son portable. Son portail. Vite, replions-nous. Je n'ai plus de boubou. De bouclier. Alors, voilà. Donc, voilà. Ah, regardez-le, lui. Oh non! C'est chaud. Ouh, l'enfoiré, il me cherchait, hein. Je l'ai vu, hein. Une moche. Oh là, regardez, vous avez vu. Putain, c'est des bourrins, c'est des bourrins. C'est de la bourritude là. Oh là là, non, ça même pas suffi quoi, j'ai envie de dire, mais c'est ouf quoi. C'est hot, hein. Je vous le dis les gars, c'est hot. Hein. Le problème c'est qu'ils vont me rusher d'un moment à l'autre. Je sens que je vais en avoir un qui est sur le bout là. Voilà, c'est ça le problème. Voilà le problème, il est là. Putain, c'est dingue. Oh là 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 là. Pas facile là.
pas facile du tout là, j'ai envie de dire. J'ouvre un autre portail. Non, c'est vraiment hard. C'est hard. C'est vraiment hard. C'est eux là qui leur donnent là. Que ça m'énerve, cette espèce d'ingénieur. Ah là 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 là. Lui, j'ai tiré combien de fois dans la tête tout à l'heure là. Ça lui a rien fait. Il était happy comme tout. Lui, il me rush aussi. Il a envie de venir. Là. Il est chaud. Là. Le Prométhien, on va dire, de rang inférieur. Mais tu vas mourir. Mais tu vas le perdre, ce bouclier. Mais c'est pas possible, quoi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est chiant de se faire rusher comme ça, là. C'est vraiment compliqué, difficile. Pourtant, je vise. Hein. Oh là. Ok. Ok, impeccable. Ça y est. Ça y est, la poisse est revenue. C'est merveilleux. La poisse est revenue. Oh là 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 là. Allez, c'est pas grave. On garde notre calme. On agit avec méthode. Si je pourrais en avoir un comme ça, ça serait déjà pas mal, quoi. Qu'est-ce qu'il est chiant! Ça y est, un de moins. Non, il est pas en train de le refaire. Il l'a reformé. Oh non, vous avez vu un peu, là. Oh là là. Mais c'est de la folie, quoi! Deux, trois coups de fusil à pompe! Mais qu'est-ce qu'il leur faut de plus, quoi? Oh, mince, j'ouvre un autre portail. Putain, c'est pas possible, là. Faut que, dès qu'il commence à me pendre son ingénieur, là, je me le fais, là. Voilà. C'est de la méthode, là. C'est avec méthode qu'il faut que j'aille. Il faut pas que je... Et il faut que je surveille en même temps mes arrières, parce que l'autre... Voilà. Et là, je me défie de venir le régénérer. Hein. Faut pas abuser non plus, là. Faut pas abuser, quoi. Faut pas pousser mémé dans les orties, si on veut dire. Allez, hop, au prochain, à toi là. Lui c'est un chou. Lui, il est drap inférieur, mais alors il est téméraire. Il est vraiment téméraire. Allez. Je me sers pas assez de ma tourelle. Je ne m'en sers pas assez. Ah ouais, mais lui, il en fout, bien. Point de contrôle. Merci, enfin. Enfin, j'ai envie de dire. Il reste encore un autre là-haut, mais je m'en fous. Lui, c'est un sniper, lui. Oh là 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 là. Vous avez vu, j'ai une peur. C'est abusé, quoi. Les rushs qu'ils font, quoi. Mais c'est imparable, quoi. Quasiment imparable. J'ai intérêt à garder mon pompe, là. Oh, truc de fou, là. J'ai eu le droit à un rush en règle. Allez, on continue. J'ai pris des munitions. Ah, par contre, j'ai plus de munitions pour ma carabine, donc ça fait que j'ai quasiment que... Ouf, vous avez vu? Voilà. Sniper à bout portant. Coup de sniper à bout portant. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est quasiment imparable, quoi. Je peux pas esquiver, quoi. Sachant qu'en plus, je n'ai plus de munitions à longue distance. Alors là. Voilà.
Voilà, ah non mais là, fou, ouais, ça va être chaud cacao là. Puis leur grenade, alors, je vous dis pas, leur grenade c'est une merde. Une merde, mais alors. Sans. Y a pas de mots quoi. Les grenades qui me filent là, attendez, il faut que je récupère une munition par là. Voilà. Putain, c'est où j'avais pris les munitions de sniper là tout à l'heure? Ah, c'est en haut là. Ah ouais, fais bien ton malin toi là-haut. T'es ici. Ici qu'il y a un sniper qui traîne. C'est un truc de malade là. Là ça va être difficile. Là c'est la difficulté, hein. C'est même pas une question. Là j'ai du monde. Il y a du monde. Regardez! Je l'ai eu, mais putain, mais qu'est-ce que c'est chaud! Faut que je récupère son sniper et je me fous au loin. Y a pas moyen. Voilà, vite. Vite, vite, vite. On m'a pas vu. Et là, mes amis, ça va être. Si je me débrouille, ça va être un truc de ouf là. Si je les vois, quoi, du moins. Parce que s'ils se planquent, ouais, c'est clair là. Bon, l'objectif est là-bas. Mais le problème c'est que j'ai pas de point de sauvegarde, j'ai rien quoi. Et je les vois pas les types. Ah, j'en vois un. Voilà. Toi tu commençais à me prendre le chou aussi depuis tout à l'heure. Où est l'autre? L'autre cus. Il était pas tout seul. Il est là-bas. Putain, il a un canon. Il a la plus puissante arme. Du jeu. Alors là. Et j'ai pas intérêt à tomber parce que si je tombe là, ben je m'en voudrais, hein, je peux vous le dire. Voilà, dernière mumu. Oulolololololol. Je vous le dis, j'avais les mains qui tremblaient là. Chaud, hein. Très très chaud. Et son arme, elle est où? Non. J'ai pas le droit de prendre son arme. J'en reviens pas. Je n'ai pas le droit de prendre son arme et tomber. Non. Elle est là. Voilà. Ça va m'aider là. Allez, on continue. On a assez perdu de temps. Je ne contrôle pas mes processeurs. Des ordres prioritaires prennent toujours le dessus sur moi. Et le didacte alors? Je peux plus me cacher. Je vais essayer de vous amener au recomposeur. Oh là là. Ouh là là, regardez. Alors là, c'est impressionnant. Donc, il faut choisir nos armes. Choisissez votre arme. Prenez des munitions. Et allez faire votre boulot. Autrement dit, ça sent la fin. Armez-vous et allez au combat. Alors là, j'hésite. Combien j'ai d'armes? 108. Pas à chier, je vais prendre celle-là. Je peux vous dire, j'ai la pression, là. Ouais, j'ai bien envie de prendre ça et ça. Ouais, allez, on va s'armer comme ça. Rien d'autre dans les environs. Qu'est-ce que nous avons? Non, 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 non. Allez, c'est parti. Gaspiller une munition. Où il est, salaud? Où tu te caches, mon salopard? Il y a du monde là-bas, mais je vois personne. Portail ouvert, au bout de la pièce. Ah, ok. Oh là 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 là, putain, alors là, je suis désolé des gros mots, mais je veux dire que là, je veux dire, voilà, oui, il fallait que je me le fasse, c'était plus fort que moi. J'ai
J'ai plus de munitions, j'ai plus de munitions, j'ai fait la pire erreur là de prendre cette arme. Mon dieu, mais comment je vais faire? Ouais, là. Là, ça va être une sacrée. Une autre paire de manches là. Ça va être. Ouais, ok. Oh, ils sont sympas, ils me font recommencer là. Là, ça veut tout dire. Donc, on va prendre ça là. Ouais, ça va bien. Allez, c'est parti. Voilà, ah, j'ai peut-être mis mon... Heureusement qu'ils m'ont fait réapparaître au précédent niveau. Alors là, si j'avais un point de sauvegarde ici, c'en était fini de moi. Je suis désolé, je parle pas trop, mais je suis concentré. C'est de la concentration pure. Hein. Là, c'est de la concentration pure et dure. Et voilà. T'as comme il rush. Alors, mais ça, je déteste. C'est le pire. C'est pire que tout, ça. Sniper. C'est un sniper qui m'a tiré dessus, là. Commence à me prendre la tête là, ça suffit, hein, de moment de limite quoi. On va essayer de choper une bonne arme, mais alors je doute qu'il y ait des bonnes armes dans ce niveau. Ah si, je me suis trompé. Ok, il y a celle-là. Moi. Je vais essayer de me le faire avec celle-là. Abusé le nombre de balles que je lui ai mis quoi. J'ai halluciné. C'est hallucinant. Allez, hop. Donc là, combien on est rendu hein? Excusez-moi deux secondes que je regarde. Que j'observe un peu. On est à 37 minutes, c'est correct. C'est correct pour ce que c'est, mais je pense quand même que je vais couper la vidéo en deux parties. Donc ne soyez pas étonnés si vous... Si ça coupe comme ça, hein, je vous le dirai. Hein, le moment où je coupe, ça sera aux alentours des 45 minutes. Les 45 minutes, je couperai. Mais c'est comme si la vidéo continuera. Ce sera une deuxième partie. Hein. C'est ouf le nombre qu'il y a. Voilà. Là, il y en a ras-le-bol là de... Ok, il y en a encore plein. C'est merveilleux, c'est splendide. C'est splendide. Voilà. Je suis désolé du trou, hein, des trous que je fais, je ne parle pas, mais c'est, je suis pris dans le truc quoi, en fait. Hein. Je suis vraiment pris dans l'action quoi. Là, il y a pas, il faut pas tergiverser pendant une heure. Hein. Soit on les a, soit ils nous ont. Hein. Et j'ai eu de la chance de l'avoir pour pouvoir lui récupérer ses armes. En plus, je me suis fait des mumus pour mon canon. Prométhéen. Et c'est le mieux que je pouvais faire. Allez, c'est parti. Où êtes-vous? Le didacte dissimule. Où sommes-nous? Allez. Ok, sniper, impeccable. Snipix Poivrix, j'ai envie de dire. Alors. Le didacte dissimule, recomposeur. Ça
façon, là, la vidéo, je vais jusqu'au combat final face au... Ouais, comme je vous ai dit, hein. J'étais en train de me demander, est-ce que vraiment il va y avoir un combat final, là, parce que... Parce que, fou, c'est parti loin, là, hein. C'est parti très loin. C'est parti très loin. Alors, ce qu'on va faire... Ce que je vais faire, là, c'est que je vais couper, là, vite fait. Je coupe la vidéo, là. Voilà. Je coupe la vidéo, là. Donc, je vous dis à tout de suite pour la, sûrement la fin, ce qui est sur la fin de cette Halo 4. Oui, je vous, enfin, moi, je vous le dis, mais là, je pense vraiment que c'est vraiment la fin. On est à 40 minutes, c'est largement suffisant pour la durée d'une vidéo. C'est juste ça, en fait, qui me préoccupe. Et je vous dis...